La diplomatie des affaires des États membres de l'ACP au sein de l'Union européenne est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent vraiment relayer, expliquer l'attractivité de leur pays, relayer les besoins et avoir un contact direct avec notre secteur privé pour que notre secteur privé européen aille investir dans leur pays. C'est essentiel. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'investissements privés pour avoir un développement durable dans ces pays-là. Donc ensemble, Commission européenne, secteur privé, on peut réussir à avoir beaucoup plus d'impact qu'avec simplement des fonds publics. Donc ce rôle est primordial. On est vraiment heureux de pouvoir travailler ensemble dans le cadre du Global Gateway et de notre programme ACP Business Friendly. De la diplomatie des affaires dans notre travail en tant qu'ambassadeur du Burundi est très très important. En tout cas, comme vous le savez, la plupart sont affectés dans des cas de mission diplomatique dans des pays et n'ayant pas d'expérience en matière de diplomatie des affaires. Raison pour laquelle cette formation va nous donner des enseignements, des outils que nous utilisons pour pouvoir être des catalyseurs importants de nos pays en collaboration avec les API qui vont en tout cas jouer leur rôle. Et donc cette session permet vraiment de renforcer les capacités des ambassades de mener leur diplomatie des affaires et surtout de pouvoir attirer des flux plus importants d'investissement dans leur pays afin de créer des emplois, de renforcer leur participation au commerce international et évidemment devenir plus prospères. Donc nous sommes très heureux avec ce partenariat de l'Organisation des États ACP, l'Union européenne et l'ONUDI, d'avoir pu offrir aux diplomates représentés à Bruxelles cette formation.